l'heure de l'espoir. Nous avec nous. Nous vraiment contents parce que nous voyons que vous adorez avec chaleur, avec content. Et c'est vraiment bien. Pour ce soir, c'est clé de victoire, bien le secret de la victoire sur les incertitudes du lendemain. Alors, maintenant, Josué chapitre 1, dans verset 1 à 9. Josué chapitre 1, verset 1 à 9. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur est mort. Maintenant, lève-toi. Passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, le fleuve de l'Euphrate. Tout le pays des Hétiens jusqu'à la grande mer et le soleil couchant. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point
Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à le Père de la donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne te retourne ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, mais médite jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, et alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel, ton Dieu, est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Amen. Le secret de la victoire sur les incertitudes du lendemain. Il y a une bagaille qui nuit en plein monde, qui nuit l'homme, c'est parce que l'homme ne connaît pas ce qui va arriver demain. Malgré tout progrès la science qu'a fait, malgré toute pensée philosophique qu'a fait avec lui, il y a un gros dilemme, il ne connaît pas ça demain par le côté. À cause de ça, en plein monde vit avec grande inquiétude, avec grande anxiété. Parce que vous ne connaissez pas ça devant arriver. Vous comprenez le plan, c'est vrai. Mais vous ne connaissez pas ce que vous avez réalisé. Si vous avez un homme, si vous avez un grand monde, qui vous avez inquiété plus que tous les hommes au sujet du demain, c'est bien Josué. Josué, qui vous avez rassé Moïse, mon Dieu, le Josué dit Josué, vous parlez de vous, pour qu'il prenne direction pour Israël là. Menez un canal. Et vous pouvez regarder vous que à travers Josué, bon Dieu pour faire des merveilles. Mais si vous regardez, mon Josué pour remplacer, il n'y a pas de problème. Josué pour remplacer Moïse. Moïse, ce grand leader qui conduit Israël là, et pas Israël là, quitter Égypte, traverser le désert. Moïse traversait la mer rouge. Moïse recevra six cordes maillons. Moïse traversait la forêt pendant un bon nombre d'années. Sous-côté ça, il dit de Moïse. Voici, mais c'est qui monde qui a remplacé Moïse? Non, viens avec maintenant Exode chapitre 33, verset 11, mon titan. Exode 33, verset 11, qui sera la partie de Moïse. Non, Exode 33, non, verset 11, remarquez ça dit de Moïse. Il dit que l'Éternel parlait avec Moïse, comment il dit, face à face. Comment? Comme un homme parle à son ami. Puis Moïse retournait au camp. Mais son jeune serviteur, comment il dit, Josué, fils de Nun, ne sortait pas du milieu de la terre, de la tente. L'Éternel parlait à Moïse face à face. Comme un homme parlé avec Zamé. Dans Deutéronome 34, j'ai là, je vais verset, que si, pour qu'après qui monde que Josué va ramasser là. Dans Deutéronome 34, verset 10, remarquez ça, il dit que il n'a plus pas eu en Israël de prophète semblable à qui? À Moïse, que l'Éternel connaissait, comme il dit, face à face. Ça veut dire quoi? Nul ne peut lui être comparé pour tous les signes et les prodiges que Dieu l'envoya faire au pays d'Égypte, contre Pharaon, contre ses serviteurs et contre tout son pays, et pour tous les prodiges de terreur que Moïse a accompli à main forte sur les yeux de tout Israël. Je suis par rapport à Moïse. Cet homme de grand respect, cet homme de grande qualité, c'est mourir qu'on y est. Et la Bible suppose que le peuple a pris 30 jours à pleurer sur Moïse. Maintenant, mon Dieu dit, Josué, prends peuple ça, traite ses journées avec lui, mène les Canaan et prends le pays. Waouh! Israël pas ton armée, Israël pas ton demain. Canaan, son peuple,
qui congomé et qui campille les âmes maintenant pour Josué sale pas porter comment traverser ce Jourdain comment capable gagner Canaan Moïse mourit parce que le peuple a tellement ennuyé Moïse il parlait mal de lui et moi ça va avec la vie. Oh, en pile question sur le lendemain. Et mon Dieu pour le jour sur Kosaké, qui te dit comment vous capable de gagner victoire sur incertitude tout le domaine. Et il met trois bagages seulement. Ce que ça gagne trois bagages là-dedans, d'abord le principe de la perspective de Dieu. Ensuite, la pratique de la parole de Dieu. Et puis enfin, la provision des promesses de Dieu. Si vous comprenez seulement trois bagages, ça y est. Vous pouvez faire route avec Dieu. Vous pouvez se connaître demain. Vous pouvez que ça va la perspective de Dieu. Vous pouvez savoir la parole de Dieu. Vous pouvez savoir les promesses de Dieu. Alors, vous savez bien. D'abord, le principe de la perspective de Dieu. La haute perspective, c'est un bagage que vous placez en côté. Pour que, aussi, même si côté hier, il m'a mon l'autre idée, il fait moins clair. Qui ça me fait? Côté vous me fait? C'est ça que lié. Bon Dieu lui-même, bon Dieu lui-même, les gars de Josué, qui a tremblé, et puis Josué, mais ça vous fait. Il y a deux bagailles qui baillent Josué perspectif. Deux bagailles qui fait Josué clair. Ça quoi le fait la vie? Numéro un. C'est la communication de Dieu avec les autres. Ou bien, la communication de Dieu avec Moïse, le verset 3e là. C'est-à-dire que tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Vous marquez ça. Comme je l'ai dit à Moïse. Et de Josué, Josué Kounia, après l'évangile, il dit que même j'aime te communiquer à Moïse, pas occupé, on doit communiquer à vous-même à sa part. Les ou ouais, sous besoin, d'une bonne perspective, sous découragé, ou petit espoir, il qui va aider où? C'est lire comment bon j'ai été traité avec l'autre monde, ou après dire, ah bon. Bon Dieu n'a pas changé. Si il te fait pour moi, ça, ou te connais, moi-même, comme bon Dieu tout, il a fait pour moi-même. Immédiatement, vous venez en l'autre perspective, vous venez la vie en l'autre façon, ou pas peur encore. Il dit que, bon Dieu, tout ça, que Josué, moi, je te communique à Moïse. Moi, je te connais Moïse. Moi, je te connais moi. Par conséquent, je parle pour moi-même, même Jean, moi, je te pour Josué et pour Moïse. Ce qui m'aille, une bonne perspective, c'est que bon Dieu pas changé. Il a continué à communiquer avec le client à travers la parole de Dieu. Nous pas seuls sur le chemin. Nous pas contre demain. Mais bon Dieu n'a compte demain. Il pas changé. Il dit que depuis nous étions attachés à lui-même, il a communiqué à moi-même à travers lui. Deuxième bagaille. Deuxième bagaille qui m'aille, Josué, perspective. Non seulement c'est la communication de Dieu avec les autres, c'est la présence bienfaitrice de Dieu avec les souris-saints. La présence bienfaitrice de Dieu, non seulement la présence remplie de bienfaits de Dieu. Vers 5 ans. Il dit que nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. La présence bienfaitrice de Dieu avec les saints. Donc, il y a un bagage qui doit encourager, non. L'un va connaître ça. Alors, regardez bien. Le monde annonce des bagages noirs. Nouvelle, il y a montré que c'est fort que le monde va finir. Vous ne pouvez pas qu'il y ait privé, mais c'est passé passer avec le monde même. Vous vous souvenez comment les hommes de science y a réfléchi, comment les grands pays y a réfléchi, parce que pas de problème, pas de problème. Ils viennent regarder la télévision, ils m'ont dit que Vilma a mis, et Macho qui a dit qu'il y a privé, non? Qui a dit qu'il y a privé, c'est l'enmer à monter, pas de Vilma a mis. Toute belle plage, ça, qui là, il n'a pas existé. Il faut faire connaître les États-Unis, c'est fort que le frère va changer elle-même déjà. Le monde annonçait des bagages noirs,
même 2014, même pour Haïti, nous avons gardé ce qui a passé. Écoute, c'est parce que qui ça peut arriver? Il y a une inquiétude, il y a une anxiété, on fait une perplexité pour dire que, mais qui ça peut passer? Non, non, écoutez bien. Sous besoin pour qu'on vive en paix, ou besoin comme ça très bien. Bon Dieu continue de communiquer avec le peuple. Et bon Dieu continue de marcher avec le peuple. Même lui devait Moïse, il devait vous Josué. Moi-même, il avait fait moi-même pour. Même si c'est la même façon, mais bon Dieu a marché avec moi. Il a communiqué avec moi. Ma besoin peut en rien. Absolument rien. Bien fait, bon Dieu, dans la vie nous dans le passé. Abandon, il y a une bonne perspective. Ça a été moi hier. L'exemple prophète Jérémie devant destruction de Jérusalem et de Noël. À la peine Lamentations chapitre 3. Il démontre que aussi c'est normal pour que les bagailles mal arrivées ou bien les bagailles mal annoncées vont arriver ou qu'à troubler. Mais ou pas de être troublé. Ou qu'à inquiet. Mais ou pas de être inquiet. Ou de reprendre qui démontre le service du Seigneur. Non, et alors maintenant, Jérémie, non, l'ambassade de Jérémie, dans chapitre 3, après la destruction de Jérusalem, Jérémie gardait Jérusalem, détruit. Je vois que un pile monde mourit, il prend un paquet de monde dans l'enfer de Babylone. Jérémie gardait, c'est parce que dans l'esprit, il a dit que plus d'espoir pour Israël. Plus d'espoir. Qui ça, Israël va le devenir, qui ça va le devenir, et Jésus va le devenir, monsieur incertain. Regardez ça, monsieur dit, allez avec moi, dans Lamentations de Jérémie, chapitre 3, verset 14, allez avec moi, je suis pour tout mon peuple, qui ça dit, un objet de ça, de railler, chaque jour, l'objet de la chanson. Il m'a rassasié d'amertume. Il m'a enivré d'absinthe. Il a brisé mes dents avec des cailloux. Il m'a couvert de cendres. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Comment que ça dit? Et j'ai dit, ça dit là, ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'éternel. Regardez là. Est-ce qu'on est sacrifié là? Au carré, tu vas regarder la vie. Vous pouvez courager. Pour perdre espoir, le prophète Jérémie dit, il dit que ma force est perdue. Je n'ai plus d'espérance à l'éternel. Ça va vivre avec la vie, non. Nous voulons parler sur ça. Lis verset 19. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absence, au poisson, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Verset 21. Voici ce que je veux repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance, c'est quoi? Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent qu'il est chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Est-ce qu'on ça? Seul ça, quand il y a une nouvelle perspective, c'est là où dit ou comment c'est pour ça, on va repasser les bontés de l'Éternel. On va repasser dans les sureaux les actes de bonté de l'Éternel passé. Mais immédiatement, il changeait façon de l'Éternel. Si passé, il était poissuel. Si présent, il poissuel. Demain, il y a poissuel. Et pas moins besoin qu'il y ait pour demain. Le seul bagage là, ma pompe de sens, les pas connaissent pas avancer demain, c'est eux. Moi, troublé. Mon bagage est souffert à Bédo. La pratique de la parole de Dieu. La pratique de la parole de Dieu. Moi, je vais montrer ça. Mais qui va la parole de Dieu? Nous avons le journée à tenir, calé à tenir, il le bois, il est bien armé, moi il va vivre 2 000 moules avec moi, par contre moi ensemble, qui ça va le faire moi avec la parole de Dieu? Ah bon, il vous a ou jamais rien, c'est la parole de Dieu. Et les pour la cité, Samio, il pose la parole de Dieu comme la seule arme offensive. La parole de Dieu. On nous regarde dans le verset 7-8 là. Et là, je vais faire un bagage là.
Jean la Bible m'a présenté là, si je vois une victoire sur incertitude, je dois faire quelque bagaille régulièrement, constamment. Tout ce temps, je ne vais pas rappeler. Verset 8 là, après dans la leçon, la pratique, la parole de Dieu constitue la source de succès, la source de prospérité, la source de courage, la source de force pour Josué. Vous faites ce bagaille, ou par contre, ça va passer. Vous avez une bagaille qui est source de force, de courage, de succès vous-même, c'est la parole de Dieu. Et là, notez de la gamme à ça. D'abord, la parole de Dieu doit être notre source de force et de courage. Notre force, source de force et de courage. Remarquez le verset 6, verset 7. Il dit, fortifie-toi et prends courage. Verset 7, fortifie-toi et prends courage. Verset 9, ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage. C'est vraiment intéressant. J'ai dit, on va me dire, on va me dire, on va me. La parole de Dieu doit notre seule source de force et de courage. Dans ce verset, nous avons noté trois bagages emballés. D'abord, noter force non, courage non, dépend de foi non en Dieu et la promesse de Dieu. Force non, courage non, dépend de foi non en Dieu et la promesse de Dieu. Vous marquez dans le même verset que j'ai juré à le Père. Dans le sens, vous connaissez que demain, ok, c'est parce que bon Dieu dit, voilà, ok. Moi je connais que demain il y en a un bon Dieu. C'est parce que vous êtes juré. Ben, on fait des promesses dans le Nouveau Testament. Qui ça parle avec nous? Mon Dieu promet que pas plaqué, nous ne pas abandonner non. Vous voulez force moi et courage moi. Pas de jambes. Souvenez pas là. Force moi et courage moi. Pas de jambes influencées par émotion. Force moi et courage moi pour les gens influencés par sentiment moi. Force moi et courage moi pour les gens influencés par situation yo. Force moi et courage moi pour influencer seulement par sa bon Jésus. Au côté ou au côté, où tu vas finir de lui? Vous n'avez pas de ces situations à vous garder. Les circonstances à vous garder. Ces circonstances à vous garder. Non, c'est liquide qui a fait. C'est moi qui suis réuni. De ces bagailles-là, force non, encourage non, dépend de obéissance non et attachement non à la parole de Dieu. Force non, encourage non, dépend de attachement non, obéissance non à la parole de Dieu, en agissant fidèlement selon toute la loi. Verset 9. Quand l'incertitude du lendemain veut inquiéter nous, nous devons passer plus de temps dans la parole de Dieu. Là, nous sentons faibles, nous sentons vraiment découragés. Nous devons lire, méditer sur la parole de Dieu. Et le sang, c'est fortifié. Ou en lumière, qui dit que demain, tout bagarre, ok. Nous devons, force non, encourage non, dépendre de résolution non, à faire la volonté de Dieu, quelles que soient les circonstances. M'bagé force, m'bagé courage, c'est la musique que m'en déterminé, m'en ça bon qui m'a fait, n'est pas sacrifié. Ne t'en détourne ni à droite, ni à gauche. Depuis que, ou ambulant, ou pas comme ça vous faire, ou petit force, petit courage. Nous venons devenir courageux, nous venons devenir forts et nous disposer pour être fermes malgré vents et marées. Nous disposer pour nous faire vendre mon Dieu malgré vents et marées. Mon Dieu, mon exemple, quand est-ce que tu peux faire une bonne expérience? Les jours et mois fait 12 espions canadiens pour aller garder les villes, garder les pays. Il y a 10 ans. Il n'y a pas de foi. Il continue à dire que nous allons périr. Sous quel point que Josué et Caleb, campé ferme. Seulement le sang, ou pas fort. C'est là que vous connaissez sans bon Jésus, ou campé ferme. Ou pas le gué. À ce point, Marie Nézoula, la parole de Dieu doit être notre source de force et de courage. Numéro 2. La parole de Dieu doit être notre première priorité.
Pardon, c'est doué, première priorité dans la vie, non. Qui est mon tour, bagaille? Tu vas faire pendant je suis la Bible, verset 7, 8 là. On nous relève 7, 8. On nous relève avec moi. On va faire un bagaille bien vite là. Josué, après faire un bagaille qui dépasse force net, il va qu'on ça de pour apporter. Traverser ces journées, pour un canard, je suis à compte demain. C'est certain, mais ça a bon qui baille, puis capable d'éviter. C'est que verset 7, fortifie-toi, lis ça ensemble avec moi, et ça dit, fortifie-toi seulement, et puis ça compte, et bon courage, comment? En agissant fidèlement, selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. T'es d'accord? Ne garde-toi ni à droite, ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, que ce livre de la loi ne se loie point de ta bouche, mérite-le jour et nuit. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Quand est alors que tu as jugement dans du succès dans tes entreprises, est alors que tu réussiras. Suivez pas avec moi là. Suivez pas avec moi. On va gagner paix, gagner victoire sur l'incertitude de la vie. C'est là qu'on fait la vie de vie. Première priorité, moi. Quelle est la première fois? Bon Dieu dit Josué, la Bible. Et le ça, Josué, c'est que seulement le premier livre dans la Bible. Il n'y a pas d'accord, non? Nous avons toute la Bible. Je ne sais pas bien Josué, même Josué pas bien. C'est le premier livre. C'est le premier livre seulement. Il dit, ça y est, qui est devant? Et là, bon Dieu enseigne là. Si nous parlons de gagner une victoire sur un certitude de la vie de première priorité, non, et si ce n'est pas réalisé, là, je vais bien vite, je ne vais pas t'expliquer. Numéro 1, vous devez accepter la parole de Dieu totalement. Vous devez mettre là, mettre la parole dans l'esprit. Totalement. Et bien, on passe là-dedans. Ici, toute la loi, le verset là, toute la loi. Il y a un passage à la Bible là, ou un main. Il faut pas remet les toucher quelque bagaille dans la vie. Parce que ça, pour qui ça va jouer tout la même? Sous point de victoire, sur sa cabine de monsieur fait, vous devez accepter toute la Bible. C'est le monde qui écrit là, il connaît pour qui ça l'écrit, accepter toute ça la Bible net. Qu'on remet là, qu'on pas remet. Accepter toute la Bible. Numéro 2. Nous devons lire la parole de Dieu régulièrement. Si nous voulons avec toi, lis la parole de Dieu régulièrement. Comme nous ça. Verset 10, ta prescrite. Si bon prescription, il faut aller. Ensuite, il dit qui y est écrit. Dans verset 8 là, si bon j'ai écrit, si m'a vraiment de victoire, faut me lire ça, bon j'ai écrit. Non, sens, moi je lire la parole de Dieu régulièrement. Numéro 3. Si moi j'ai victoire sur l'incertitude de la vie, nous devons méditer sur la parole de Dieu quotidiennement. Médite-le jour et nuit. Chaque jour, c'est mon point Bible là. Vous dites, moi lis au texte là-dedans. Pendant la journée, je médite, ça médite, ruminer. Sans me tendre ma terre, sans me tenir ma terre, pour la journée, ma songe, ma fête à pousser, yon bof, moi été mangé depuis le matin. Et puis juste bon, 6h du soir, pour me coucher, je continue à manger. C'est comme ça que nous faisons pour la parole de Dieu. Si nous voulons des victoires, pour que ça ne soit pas arrivé. C'est parce que les ancrés dans la parole de Dieu, les mauvais moments arrivés. Le Saint-Esprit de Dieu, ça fait, il prend parole là, côté comprendre là, côté lire là, côté mettre sur le là, il faut songer pour que vous campiez ferme devant toute tentation. Numéro 3, numéro 4, nous devons parler de la parole de Dieu constamment. Nous devons parler de la parole de Dieu constamment. Qu'on trouve ça, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Nous parlons trop de politique, trop de football, trop de parler. Au lieu de vocabulaire dans la bouche, c'est parler mal, on ne peut pas causer. Parler de la parole de Dieu. Pas une belle bagarre comme ça. Les malheureux pensent que je vais me dire, mon cher, nous te lisons un texte matin, oh, pas gagner, bon, tu dis un texte ça, puis nous parlons de la pensée à Jérôme.
C'est un petit mot cher, nous t'appelons l'autre jour là, mais sans prouver. Voulez, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Crée tout ça bien. Si j'en parle de l'autre bagaille, c'est qu'on parle de la Bible nous change déjà. Nous t'avons fait moins péché. Si vous avez besoin de vous parler en pile, péché va loin. Nous avons critiqué moins, plein moins, parler mal monde moins. Tout bagaille moins. Numéro 5. Nous devons obéir à la parole de Dieu fidèlement. Fidèlement. Il dit que, verset 7 là, en agissant fidèlement. Verset 8 là, il dit que pour agir fidèlement. Nous sommes. Regardez. Pour qui ça, bon, j'ai dit tout ça. Où t'es les trois par mon Dieu? Ou enfin y'a avec yo. La Bible sans valeur pour même. Si ils sont lire là, ils sont étudiés là, ou pas mettre en pratique. Nous devons obéir à la parole de Dieu fidèlement pour qu'un victorieux des incertitudes de la vie nous doit appliquer la parole de la vie. Non. J'ai dit comme ça qu'il connaît bien. Suspend à côté tout le temps. Mettez en pratique parole là. Mettez en pratique parole là. Il y a bénédiction dans ça. Et puis numéro 6. Nous devons suivre la direction de Dieu exclusivement. Suivre la direction de Dieu exclusivement. Comme vous ça. Ne t'en tout ni à gauche ni à droite. M'a viré ni à gauche ni à droite. M'a su, c'est bon, j'ai dit ça. Quelqu'un dit, pourquoi comprendre même pour que tout le monde a réussi. Vous m'avez dit que vous haïtien qui même si vous êtes. Aussi, même pasteur, lors de l'affaire, de l'affaire. Vous comprenez vous-même, ce qui pisse dans l'église de l'histoire. Et puis, vous coupez mon Seigneur. Non, pas coupez. Ou de suivre la direction par le bon Dieu exclusivement. C'est ça, mon Dieu dit, et ça m'a fait. Et là, je vais vous prendre 6 baguettes à vous. Si je vais gagner victoire sur ce que je connais, qui vient demain, il faut me faire la Bible de Dieu. Première priorité dans la vie, moi. Un, je vais recevoir la parole de Dieu non, totalement. Deux, je vais lire la parole de Dieu régulièrement. Trois, je vais méditer sur la parole de Dieu quotidiennement. Quatre, je vais parler de la parole de Dieu constamment. Cinq, je vais obéir à la parole de Dieu fidèlement. Six, je vais suivre la direction par le bon Dieu. Exclusivement. Aux États-Unis, et leur travail, surtout côté qui va faire pour autoroute, route en l'air qui n'a aucune lumière là-dedans, généralement, c'est que c'est pour coûter l'apport de circulation avant qu'on ait qui vous apprend qui n'a pas de blocus. C'est là où coûte rapport, quand tu évites route ça, évite route nationale numéro 1, pas route nationale numéro 2. C'est là aussi, pourquoi ça se connaît? C'est parce que il y a un monsieur qui a un hélicoptère qui a parcouru toute ville la net pour qu'à côté gagner un accident qui bloquait l'autoroute. Et là, il bloque l'autoroute. Bah, il faut tout pour qu'à trouver le ressenti. Parfois, il faut bon courir, ou qu'à faire 30 minutes à courir, une heure de temps. On part. Ou en haut, vous travaillez, parce que vous ne pas coûter l'apport de circulation qu'à Baye là. Il est bien facile de checker sur Internet, ou de checker le téléphone, non. Bien facile. Quelqu'un dit, non, je ne vais pas faire un rapport. Je ne vais pas prendre chance moins. Vous pouvez aller tout de suite, l'envoi dans un gros blocus, vous ne pouvez pas faire ni à gauche. Ni à droite, ou pas qu'à faire bac. Même si ce chauffeur haïtien qui va hanger le question ici, ou à bloquer là. Avec question là, je vois rien tout. Mais si on veut faire, dis non, pour mettre travail, pour valeur, pour aller faire route ça, qui aime coûter l'apport, y'a bail, pour que ça, le sang, m'arrive à l'heure, le sang, je vais me voler, mais vous qui se gagne, mais qui vous m'a fait, écoutez bien, frère, ce mieux, c'est exactement ça, bon, j'ai fait, il y a un hélicoptère en l'air, il joue, pas faire route ça, coûter le rapport de Dieu, et on va arriver exactement comme il va arriver.
sommes pas chance pour que monsieur va bloquer là. Rapport, circulation, bon Dieu, il y a la parole. Lyon, élève, m'a dit passé, non, va lui passer, ma vénition. Je vois, pour qui ça nous a payé hôtel, et de l'accueil moins, et à côté de moi pour avion, c'est 2h50. Quoi, machin? Je dis, je vais me faire moins, pour faire moins, il m'a levé à 3h du matin. Je vais aller, même pas me lever trop tard, parce que je connais qu'il y a un problème quand je vais dans la route là. 3h du matin, je dis que je ne vais pas gagner dans la route là. Pas de rien. Mais je vais me payer. Pas de rien. Moi, il faut que je me finisse de descendre en autoroute, mais je prends l'autre autoroute. Et puis, il m'a levé pour lui aussi tourner. Là, il est tourné. Il va me lever là, pour qu'on ne va pas aller là. Parce que le grand qui fait là, il est débloqué totalement, vous nettoyez route là, et tout tourne. Je dis, waouh, tourne, quand on va parler. Et il fait moi qu'on fou, dans le lâcher, quand on va le faire. Je tourne. Mais marché moi, je vais un appareil qui a l'adresse que je vais aller. Je vais seulement, vous voyez en anglais, GPS, je vais seulement entrer avec ça encore, dit, dégage, je vais te mettre côté de hier. Je encore, il te marque même côté à net. Je dis, bon, pendant parti. Est-ce que ma car, et si je viens vendredi, je vais prendre juste mardi pour venir, et puis je dis, Seigneur, au nom de Jésus-Christ, je veux dire que ma vie nous connaissant, s'il vous plaît. Aidez-moi, je vais prendre un petit pièce encore, là, si je vais c'est dans une pour le Seigneur. Et de après ça, je vais encore, et puis virer, il te marque même côté, et puis je vais garder mes pour le Seigneur, fini pour moi, et je vais dire, alléluia, ma vie va là. C'est parti bagay ça y est, les ou croyez dans bon Dieu ou observer ya. Bon Dieu connaît devant. Je ne pense pas que je bloque ça. Troisième bagay. La fin avec nous, on va prendre les trois de lui, je dis. La fin avec. Niveau 3, la provision des promesses de Dieu. Si on voit des victoires sur incertitude de la vie, ça, un. Ma voile est perspective bon Dieu. Deux, ma voile passival bon Dieu. Vite, ma voile est promesse bon Dieu. Tout n'avait pas dans Josué chapitre 5. Ma voile dit ça au bien vite. Josué chapitre 1. Non, Josué chapitre 1. À nous garder pour nous qui ça, bon Dieu dit, non, il va nous sans besoin pour nous vivre. Pendant longue heure, par contre, bon Dieu. Après le amour, pas de espoir, ça va arriver. Oui, c'est que m'a comme ça va arriver. Moi, j'ai espoir. Parce que bon Dieu m'a servi à comme ça va arriver. Vous savez? Bon Dieu m'a servi à comme ça va arriver. Alors regardez pour monsieur. Côté là, d'abord, sa promesse de présence. Sa promesse de présence, verset 5 là, il dit, ne me tiendras devant toi tant que tu vivras. Il dit, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça veut là, je ne te délaisserai point et je t'abandonne point. Point là, promesse de présence, verset 9 là, verset 9 là. Mais ça dit, c'est quoi que, ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage, ne te fais point et ne te bourre point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi. Dans qui ça? Dans tout ce que tu entreprendras. Dans ce sens, mais ça veut dire là, ma avec vous, j'aime bien avec Moïse, je vais quitter vous, je vais vous abandonner vous, dis que mon Dieu, qu'on connaît, qui te fait tout miracle, il pourra ensemble avec vous. Sans besoin de plus. Sans besoin de plus. L'un connaît mon Dieu avec nous. Comme une expérience, nous avons par là, nous avons ça. Si nous continuons, il a dormi, il fait mauvais rêve. Et l'homme, si notre chambre, oui, quoi il vient jouer dans le cabane. Ou pas comme ça, hein. Mais quand il vient jouer dans le chambre, il dormit complet. Est-ce qu'on empêche de faire rêve? Non. Ce petit monde qui perd l'orage, l'aigle coup de l'orage. Ou bien l'aigle cyclone, tu me dis, en moi, je vais mourir. Et puis, quand il vit
les genoux, ou seulement poigne, ou kembele, ou bien accolade, puis il n'y a aucun problème. Ou pas empêcher tempête la continuer à faire rouler, ou pas empêcher l'eau la continuer à gonder, ou pas empêcher de rêve, mais présence ou rassurer qu'il est en sécurité. Écoutez bien, c'est exactement ça, bon Dieu. Même si on est en mode là, nous le tempête, coûte que la fête, même bon Dieu, c'est comme ça que on rassure parce qu'on est ensemble avec vous. Marie, c'est vos frères. Même chaque petit monde là, il rassure avec présence ou pas. Nous capables de ça tout. Et ça fait que vous regardez et manger tout ça que et apôtre, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'ont échoué, l'ont découragé, l'ont sont tout seul, pas oublier que bon Dieu présent avec vous-même. Abraham dit, moi avec vous-même. À Moïse ici, moi avec vous-même. À Isaïe dit, moi avec vous-même. À Jérémie dit, moi avec vous-même. À vous, à toi, à nous tous. Et ce qu'il y a avec nous. Ça suffit. Je ne vais pas se compter demain. N'importe si ça demain vient avec lui. Moun qui avec moi, qui a fait chemin avec moi-même. Quoi qu'on ait, parfois qu'on gros fou le monde, ou pas passer, et puis qu'on gros autorité pour moi aussi. Fais back, fais back. Et puis vous le faites devant, on va passer. Bon, j'ai fait plus que ça pour nous. Numéro 2. Sa promesse de protection. Sa promesse de protection, verset clan, nul ne tiendra devant vous. Sa promesse, ça, moi j'ai fait à Josué. Peut-être nous ne pouvons pas réclamer parce que Josué, il faut un travail spécial. Mais bon, je promets pour chacun là qu'il a protégé non, il va blaguer non, il va abandonner non. Dans Hébreux 13, verset 6, c'est avec assurance. Que nous pouvons dire, le Seigneur est mon aide, je ne crains de rien que peut me faire un homme. Numéro 3, sa promesse de provision. Sa promesse de provision. Il dit que je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Ça suffit, oui, ça dit là. Amen. L'aide avec Moïse a été fait. Il va de l'eau, il va de l'eau. L'état de Moïse a été fait, les vagues manger, il va y peindre. L'état de Moïse a été fait, les vagues viennent, il va y viennent. Non, sens, tout ça, peuple, il t'a besoin. Bon Dieu, bon Dieu, pas présent avec nous, puis garde le problème, puis quoi se mêler, bon Dieu, présent avec nous, problème en difficulté, puis qu'on va pouvoir en besoin de nous. Et mon Dieu, ça, qui mon Dieu, non. Et bien, fin, sa promesse de prospérité. Sa promesse de prospérité afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Et alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Notez ici la condition de la prospérité, la condition succès, non, c'est obéissance fidèle à la parole de Dieu. Bon, je promets pour si nous obéissons, si nous faisons ça, nous allons faire. Il a fait nous réussir dans la vie conjugale, il a fait nous réussir dans la vie professionnelle, il a fait nous réussir dans toute bagaille. Condition, nous devons soumettre à sa parole et enseigner. Principe ici est essentiel pour toute entreprise d'ordre spirituel. N'est-ce qui est dans le ministère ou pas, je suis succès au ministère. Si ou pas soumettre à principe ça. Et le fait qu'on chrétien, tout travail chrétien, il donne sacré, pas gagnant ou pas réussi à dans, si ou pas soumettre à ma principe, pas le mentir. Dans Matthieu chapitre 6, viens là avec moi. Quel est le sacrifice dit, peuple Israël et peuple Tapouté là, Matthieu chapitre 6. Il dit nous consacrer de merci de feu, nous inquiétez non. Si on péché nos fait, qui commun en pile, c'est péché anxiété, c'est péché inquiétude, ça quoi arriver avec moi. Mes amis, ça, à qui je vais marier, côté je vais à l'université, qui l'aime, je vais à bon petit monde, qui l'aime, je vais à bon travail, qui l'aime, et puis ça nuit l'esprit sérieusement. Vous ne pouvez pas dire que ça nuit où? Si vous faites ça, bon Dieu, mandou fin. Si vous faites ça, mon Dieu mandou fin, il y a un plan pour vous-même. Et plan hier, l'air exécuté, personne n'a pas qu'à empêcher d'exécuter. Et il a fait à l'heure.
Et Matthieu 6, verset 33, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Après ça, il dit, et toutes ces choses vous seront données qui ça par-dessus. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Ne vous inquiétez pas du lendemain. Car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Écoutez bien, mon passé est fini. Une victoire sur l'incertitude du lendemain, on parle pour un principe perspective. Bon, dans ce sens, mon Dieu montre moi. Comment montre moi? Il dit que j'aime te communiquer avec l'autre, m'a communiqué avec vous-même. J'aime pour ce soin, tu es bien fait pour l'autre, pour ce soin, à bien fait pour vous-même. Deux, on va pratiquer la parole de Dieu. On va pratiquer la parole de Dieu, nous démontrer ça. Et puis toi, on peut réclamer pour mes spontiers. Mais, qui aime clôturer avec ça? Le 11 juin 1963, il y a un gouverneur à Alabama, M. George Wallace. M. Le défié la Cour fédérale des États-Unis. Pendant que deux étudiants noirs, en juin, mais sur l'endroit, qui avaient entré dans l'université, M. Parek, n'importe là, dit non, noir, pas de l'autre là. Noir, pas de l'autre là. Et M. dit, ma cité, on va entrer ici, des étudiants, sur cadavre moins. J'ai campé de fois là. Tu déplacé là. Mais monsieur Wallace, bon problème. Aucun problème, rien. C'est que le gouvernement américain, c'est comme ça que pas de ni noir ni blanc encore. Il peut éliminer ségrégation ou bien racisme dans le pays. Le fait que monsieur continue et campé là, gouverneur dans l'État, c'est pour les personnages. Ni qu'il y a plus d'autorité dans l'État. Et comme la loi États-Unis dit que ni blanc ni noir, car les mêmes universités, ça, le gouvernement fait, il faut quelques policiers spécialisés. Et puis, parlez avec des étudiants, nous sommes à la scambée de la banque là. Et puis, il y en a aussi, ma cité, gouverneur Wallace, aucun deux choix seulement. C'est ou bien ou déplacer nous-mêmes pour que nous entrions étudiants ou bien nous la déplacer pour nous traverser. Ou sommes gagnés, monsieur, de choix. Et monsieur Bawé, rien n'y a fait, et monsieur a poussé monsieur vraiment, monsieur déplacé. C'est Mio qui écrit histoire ça. Je dis que ça va très bien. Écoutez, les bons dieux avec vous, même Satan a toute force force noire campé contre vous. Même Satan a toute force noire fait patron contre vous, superviseur contre vous, famille contre vous, tout le monde qui est remonté, vieux contre vous, ou dans le plus gros tribunal. Par où qui vont se passer sur la terre? Il y a un tribunal dans le ciel là, il y a voulu un agent spécialisé que personne ne va empêcher de passer là. Si les deux mains avaient fait tout ça, contre nous avons le tribunal. Il y a venu et personne ne va empêcher de passer là. Ah, c'est bon Dieu, ça que nous gagnons. Les hauts gros bon Dieu comme ça, le demain est certain. Nous ne pas comme demain, mais bougez-moi comme demain. Et passez comme demain, aussi que demain a ok, parce que nous comptons bien. Est-ce qu'on connaît ce Dieu de demain? Par contre, ça peut passer de la CV, pour qui vous? Est-ce qu'on connaît bon Dieu ça? Ce soir, on m'invite pour qu'on prenne une décision. Dis que, monsieur, on connaît un second ça, bon Dieu. Un second ça, bon Dieu. L'heure de l'espoir.
L'humanité gémit à demi écrasée sous le poids des progrès qu'elle a faits. La seule chance pour l'homme serait qu'il vienne au Seigneur pour être sauvé par Jésus-Christ, le seul espoir pour l'humanité. L'heure de l'espoir, la prédication de l'évangile de Jésus-Christ selon qu'il est écrit avec le révérend docteur Saint-Ange Modestime, pasteur de l'église baptiste de l'espoir du Cap Haïtien. Si vous éprouvez le désir de visiter ou de vous rejoindre à cette assemblée, bienvenue et bonne adoration. Tous les dimanches matins, 6h30 ou 9h30, et encore à 5h PM. L'heure de l'espoir.